Son histoire d'amour étouffante, avec Andrzej Wilowski. Sophie Marceau, doit faire face à une terrible épreuve. Son fils Vincent, tout juste âgé de 22 ans, a été hospitalisé après un accès de violence. Le jeune homme ne se serait toujours pas remis de la disparition de son père Andrzej Wilowski. Difficile de perdre un être cher. Douloureux de dire adieu à son père. Le 17 février 2016, à Varsovie, Andrzej Wilowski s'éteint après une longue bataille contre la maladie. Son fils Vincent était alors terrassé par la douleur. Il confiait à Paris Match ses derniers moments avec lui. Il m'a appelé, j'ai entendu le timbre de sa voix, et j'ai compris. C'est un homme fier et sans concession. Je savais qu'il allait foncer vers la mort. Il est resté libre jusqu'au bout. Fermez les guillemets. Le temps du deuil commence alors. Près de sa mère Sophie Marceau, et à distance, car Vincent poursuit ses études à New York. Le jeune homme avance puis se perd, hanté par la disparition de son père. Accès de violence, fugue, Sophie doit réagir. Vincent est placé dans une unité sécurisée de l'hôpital Sainte-Anne, à Paris. Si Vincent vit aujourd'hui une période difficile, Sophie a pourtant toujours voulu le protéger. De lui, des autres, de son père aussi. Car Andrzej Wilowski n'est pas un homme comme les autres. Il peut aimer comme il dévore. Il peut donner comme tout reprendre. Sophie le sait mieux que quiconque. Quand ils se rencontrent à Cannes en 1985, la jeune actrice n'a que 17 ans, lui en a 43. Deux mondes les séparent. Elle sort de la boum, et est déjà en haut de l'affiche. Elle vient d'un milieu populaire, et s'en revendique. Quant à lui, Andrzej Wilowski, il a déjà connu plusieurs vies. C'est un intello, fils du diplomate Miroslav Wilowski, et a travaillé avec les plus grandes. Alors Sophie pense qu'il est la chance de sa vie. Elle sait ce que cet homme a réalisé avec Romy Schneider, Isabelle Adjani ou encore Valérie Caprischi. La jeune femme dit du cinéaste qu'il est arrivé à un moment où tout allait trop vite. J'avais besoin d'un maître à penser. Il était mon alter ego. Alors ils travaillent ensemble. S'acharne, s'élève. Andrzej réalise l'amour braque, et les deux tombent amoureux contre la vie de tous. Wilowski est sulfureux, peut être trop. Sophie s'en moque, elle est amoureuse. Car elle voit en lui un mentor. Elle découvre la littérature, la peinture, l'écriture. Il lui raconte son enfance traumatisante pendant la guerre et l'enfer du nazisme. Sophie veut le réparer. Andrzej voit en elle la beauté parfaite, la créature à élever jusqu'à la perfection. Il lui promet d'ailleurs,
qui fera d'elle l'actrice la plus marquante de sa génération. Mais le tableau s'assombrit peu à peu. Andrzej pousse Sophie dans ses retranchements. Ils vivent dans une villa tout près de Varsovie, où il n'y a pas l'eau courante. Ils ne sont jamais ou très peu vus ensemble à l'extérieur. Alors elle se sent comme enfermée, prisonnière. En 1990, l'actrice trompe Zlowski avec un homme de théâtre. Difficile parfois de résister à la tentation. Le couple se sépare une première fois pour mieux se retrouver et avoir un enfant, Vincent, en juillet 1995. Mais rien ne change. Sophie sort toujours seule avec son